بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد ناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما في الموديل ديال الكريستالوغرافي الطالوغرافي توجور في لا سيغي نيميرو 2. اجوردي جو بروبوز ليكزيرسيس نيميرو 4، سي ان اكزيرسيس اكستري دان اكزامان. دونك في هذا ليكزيرسيس اون فا ايتيدي لا ستركتور دو صوديوم ميتاليك. دونك فوالا ليكزيرسيس، لو صوديوم ميتاليك بوسيد ان غايون. دونك كوم دوني عندي ان غايون ميتاليك، rayon atomique est égal à 1,86 angstrom. Le plomb 110 ainsi que les faces d'une maille élémentaire de sodium sont représentées sur les figures suivantes. La première figure, c'est la projection sur le plomb 010. La deuxième figure, c'est la projection de la maille sur le plomb 001. Et la figure numéro 3, c'est la projection sur le plan d'indice de Miller 1,0,0. Quatrième figure, c'est un plan inconnu, Rajoelim Lubet. Et la cinquième figure, c'est la projection sur le plan 1,1,0. La première question, déterminer les paramètres linéaires. Il faut bien que chaque système cristallin ait des paramètres linéaires A, B, C, les côtés et les angulaires alpha, bêta, gamma de la maille élémentaire de sodium. À partir des trois premières figures, les trois figures sont identiques. Et les angles ici, on a l'angle 90, c'est les angles que l'on ferme 90. Voilà, 90 toujours, l'angle droit. La même chose ici. Donc, quand on a alpha et bêta et gamma, parce que les trois plans forment un système directement, les trois plans sont les mêmes. Donc, alpha, donc la première question, puisque la distance est égale à la distance, est égale à l'autre distance, est égale à l'autre distance, donc ainsi de suite. C'est-à-dire que, d'après la première question, donc les plans. Les plans 0, 1, 0 et 0, 0, 1 et le plan 1, 0, 0 sont les mêmes. Donc, alpha est égal bêta est égal gamma et parce que ici j'ai les angles droits, donc angle, je peux ajouter angle, les angles droits, et A et B est égal à C, parce que ici on dit seulement des carrés, on dit des carrés, on dit les paramètres linéaires A est égal à B est égal à C. Ou bien je ne fais moi le raisonnement, les deux, redites les sept systèmes cristallins, les Haute Narsen. Les sept systèmes cristallins ont des tricliniques, les caractéristiques suivantes. Bien sûr, les systèmes cristallins sont parfois les caractéristiques de chaque système. Triclinique ont des A différent de B différent de C, alpha différent de 90, bêta différent de 90 et gamma différent de 90. Monoclinique, les A toujours triclinique, A différent de B différent de C. La seule différence, c'est que ici, gamma est égal à 90. Bien sûr, le cubique, système cubique, c'est simple. A est égal à B est égal à C. Et alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 90. Orthorhombique, il y a un effet A différent de B différent de C, mais les angles sont droits. Quadratique, A est égal à B est différent de C, mais les angles sont droits. Rhomboédrique. Léoma A est égal à A est égal à A et les angles sont différents. A est égal à B est égal à C. Les angles sont différents de 90. Et bien sûr, l'hexagonal. Les Wadel ici, simple, l'hexagonal. L'effet A est égal à B différent de C. Alpha est égal à 90. Beta est égal à 90. Et gamma est égal à 100, 120. Donc ici, c'est gamma qui est égal à 120 degrés. Donc maintenant, passons au raisonnement. On dit. Le plan, le premier plan, la projection, on voit le plan 0, 1, 0. Donc, si je prends le plan 0,
le plan 0, 1, 0, les indices de mirage de ce plan. Il est parallèle à l'axe des X, il est parallèle à l'axe des Y, l'intersection à l'axe des Y, 1. C'est-à-dire ce plan. Donc là, il a la projection des atomes sur ce plan, A différent de C. Donc, le plan, il a la projection de le plan, il se forme d'un carré, donc le système est exclu, il a le système. La même chose, pour l'autre système, il a A différent de B, donc il a le système. On a le système parce que A différent de C, toujours, A différent de C. Donc, on a le choix entre, ou bien sûr, on a le système, il y a l'hexagonal, on a le choix entre système cubique et système rhomboédrique. Parce que la projection, elle a le plan, le cas d'iel cubique, mais le cas d'iel rhomboédrique, on a un carré, on a dit A est égal à C. Passons à l'autre plan. L'autre plan, Athéna, voilà l'autre plan, 0, 0, 1. Donc, le plan 0, 0, 1. Le plan 0, le plan 0, 0, 1. C'est-à-dire l'intersection à l'axe des Z fois. Donc, c'est-à-dire le plan. Voilà, ici. Donc, si je projette sur le plan 0, 0, 1, principal cubique, on a là un carré, bien sûr. On a là un carré, principal cubique. On a principal cubique. Au principal rhomboédrique, principal rhomboédrique, on a là. L'angle bêta est différent de 0, donc on a là chaque tel que bêta est différent de 90, donc on a là un carré, donc ce système est exclu aussi. Donc le système est là ou cubique. Voilà, donc le système est exclu, et après on a le système cubique. Donc la question numéro 1, la première question. Déterminer les paramètres déjà d'énormes. La deuxième question, déduire à quel système cristallin appartient le sodium. Donc, le sodium appartient au système cubique. Donc, deuxièmement, il s'agit d'un système cubique. Troisièmement, à quel type de réseau de Bravais appartient cette maille? Puis, donner le nom de la maille et le sens en bas. Et sens en bas. Troisièmement, puisqu'on parle d'un système cubique, pour un système cubique, bien sûr, on dit système cubique simple, cubique à face centrée, cubique centrée, ainsi de suite. Donc, arrangeons les projections, parce que je vois de quel système de réseau de Bravais appartient cette maille. Donc, pour répondre à cette question, c'est la projection sur le plan 1. 1, 0, donc la projection, on a un système cubique simple, voilà l'image, donc on a tout d'abord le plan 1, 1, 0, le plan 1, 1, 0, c'est-à-dire c'est un plan parallèle à l'axe des Z, voilà l'axe des Z, l'intersection avec l'axe des Y, 1, et l'intersection avec l'axe des X, fait 1, donc, l'intersection avec l'axe des X ou Y, l'intersection avec l'axe des Y ou Y, 1. Donc, il est parallèle. Voilà le plan qu'on va étudier. Voilà la projection des atomes maintenant sur ce plan. Donc, la projection des deux atomes, bien sûr, est le choix. Les données. Voilà, on dit 4 atomes comme carré, une au centre. Donc, une au centre, c'est-à-dire qu'il y a un atome au centre ici. Fais-je dire la projection, elle a un carré. Donc,
Donc, il s'agit, pour le système de réseau de Bravais, il s'agit d'un cubique centré au rang 0i. Quatrièmement, calculer les distances D1 et D2. Donc, pour calculer les distances D1 et D2, D2 entre deux atomes ici, D1 entre les trois atomes, donc sur le même plan 1, 1, 0. Donc la projection D2, la représentation D2, voilà la distance D2 entre cet atome matériel numéro 1 et 2, voilà D2. Donc à quoi est égal D2? La question numéro 4. Nous savons bien que D2 représente la diagonale du cube, c'est-à-dire il a d'être a ici a au carré plus a au carré, il me donne D2 au carré. Donc D2 au carré, on dit l'angle droit ici, parce qu'il s'agit d'un ici un carré, d'un cube. Donc a au carré plus a au carré est égal D2 au carré. Donc D2 est égal racine de 2. C'est simple à calculer, on a déjà plusieurs exercices. Pour D3, il lie entre la distance et la distance liée entre les trois atomes selon la grande diagonale. On dit qu'il y a trois atomes. Voilà D3, il y a D3, donc c'est la grande diagonale. Donc D3 à quoi est égal? D3 à quoi est égal? Donc pour calculer D3, on s'est le triangle rectangle fait le point par exemple. Donc D3 au carré est égal à au carré plus la diagonale déjà a au carré de là, il y a A2, 2A au carré, 2A au carré. Voilà le calcul d'Ishfna Sabiqan. Ici c'est 2A au carré. Donc, il est égal 3a au carré, bien sûr, à les distances ce qu'on a forme, mais à la répétition ce qu'on doit les distances. D3 est égal racine de 3a. Maintenant, la question numéro 5. Quelle est la distance qui sépare deux nœuds consécutifs de la rangée 1, 1, 1? Donc, 5. Prenons la figure toujours. 5. Un arc de la figure. Voilà, on a dit que le cube qui est centré, on dit maintenant. Donc la rangée 1, 1, 1, c'est-à-dire elle passe par le centre O, l'origine de repère, un point. Elle passe par l'atome de coordonnées 1, 1, 1. Voilà 1, 1, 1, c'est-à-dire cet atome. Donc la rangée elle passe par ces deux atomes automatiquement. Donc deux nœuds consécutifs, la distance entre les deux. Donc un arc doit dire à l'atome 1, c'est l'atome 2, et 3 au milieu, il y a dit 3. Donc la distance qui sépare deux nœud consécutif et un mot bien et la distance 1 2 c'est la distance D3, c'est D3 mais divisé par 2. L'ENA la distance 1 D1 3 est égale D la distance entre 1 et 2 divisé par 2. À la distance D1 et 2, il y a la même distance D3, donc c'est D3 sur 2. Ou D3 là déjà, qu'on a D3 qui est égal racine de 3A, racine de 3A. Donc c'est racine de 3A sur 2. Bien sûr, donc la distance D1, 3 entre deux nœuds consécutifs, c'est racine de 3A sur 2. Donc l'application numérique. C'est simple, il y en a un et donné.
Et finalement, la question numéro 6, donnez les indices du Müller du plan 1. Donc, rangeons la projection. Le plan numéro 1, les indices du Müller de ce plan. Donc, la projection de plan est un triangle, mais l'atome au centre de la triangle équilatéral. 6, les indices de Müller du plan 1. Prenons la figure. Voilà la figure. Le cube est centré. Donc, on doit avoir l'atome au centre. Le plan, la projection sous cette forme. Triangle. Bah, des atomes au sommet. On a l'atome au centre. Voilà les atomes. Donc, on a le plan. Je les indices de Müller de ce plan. Mais la figure. Donc, cherchons les plans derrière un triangle. Faites attention, le triangle est équilatéral, c'est-à-dire cette distance. Par exemple, je l'appelle D, c'est D, c'est D, même distance. Donc, cherchons les plans. Là, les plans, les reconnaissons, donc, les rayons formés au triangle équilatéral, soit à deux plans. Je relie entre les trois atomes. Là, d'où vient la distance entre l'atome 1, 2, 3. Entre l'atome 1 et 2 est égal à A racine de 2. Entre 2 et 3 est égal à A racine de 2. Entre 1 et 3 est égal à A racine de 2. Et la projection de le point en rouge reconnaît le centre du triangle. Donc, Athéna, même projection. Donc, l'indice de Müller de ce plan, c'est l'intersection avec l'axe des X, c'est 1. L'intersection avec l'axe des Y, c'est 1. Ou l'intersection avec l'axe des Z, c'est 1. Voilà l'indice de Müller du plan 1. Un chauffage un autre plan, par exemple. Effaçons le plan. Si je roulais entre des points, par exemple, un autre plan quelconque, on a le plan. Par exemple, et bien sûr, il existe d'autres plans. Je vous laisse de les trouver. Donc, on dirait un autre plan seulement. Donc, je relie entre les deux atomes, puis je relie entre l'atome et l'atome, puis je relie entre les atomes par la face. Donc, la distance entre A1 et 2. C'est A racine de 2. L'énergie à la diagonale de la carré en arrière. A racine de 2. La distance entre l'atome 3 et 2, c'est A racine de 2. Et la distance entre 1 et 3, c'est A racine de 2. Bien sûr, l'atome centré, il a donné la projection adjif, le centre de la triangle. Donc, بهذا الرسم غنكون وصلنا لهذا الفيديو كان معكم الاستاذ خالد ناجي كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط والى فيديو مقبل ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته